Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui, on est mercredi 23 février. 23, je pense que je dis pas de bêtises, on est le 23 février. Il est 11h, donc c'était vraiment la course ce matin, j'ai pas pu vous filmer avant. Ethan s'est levé à 9h30 et j'étais pas prête encore, donc du coup ben, je me suis préparée après, ce qui nous a pris un petit peu de temps. Et donc le programme d'aujourd'hui, c'est que nous sommes au doc. Oui. On est au doc pour venir voir un spectacle d'animaux de la ferme. Donc en fait, pendant les vacances, les agriculteurs amènent des bébés animaux dans ce centre commercial qui est donc les Docks 76. Et il y a un spectacle à 11h, donc je crois qu'on est un peu juste, on va courir un peu. Donc on vient voir ça et par la même occasion, trouver un petit cadeau pour Zia, qui est la copine d'Ethan chez Nounou, puisque c'est son dernier jour aujourd'hui chez la Nounou. Elle rentre à l'école jeudi, je sais pas, c'est quand la rentrée, enfin bref, elle rentre à l'école. Donc on est invité au goûter, alors on va essayer de trouver un petit cadeau, mais vraiment une bricole, je vais aller voir chez Claire's. Et moi je vais prendre rendez-vous pour mes sourcils, c'est une vraie catastrophe, ça fait des semaines que je les laisse repousser, dans le but d'aller les faire épiler chez Benefit et sûrement faire la teinture, je vais voir avec eux. Donc je vais me prendre un rendez-vous en espérant qu'elle puisse me prendre genre demain ou vendredi, ce serait parfait. Voilà le programme, donc on se retrouve dans les docks avec les bébés animaux. Oh là là. Faut toujours la trouille. Premier étage. Après. On aille chez Sephora. C'est quoi en bas? Ah, les animaux, ils étaient là-bas. On va redescendre les voir. Tu viens? Vas-y. Coucou. Tu dis coucou? C'est moi. Ah, c'est des gros canards. C'est quoi? Oui. Canard. Ça sent la ferme. Hein. Non, pas la barrière. Un chat. Non, c'est pas un chat, chérie. C'est une chèvre. Bonjour, chèvre. C'est une tête. Et c'est quoi? C'est pas un chat. Là, regarde. Tu viens?
Et pas de lapin. On est resté une heure, donc il a regardé les animaux, puis on est retourné après, il y avait beaucoup moins de monde. Il pouvait rentrer dans l'enclos, mais il est trop petit, j'avais pas envie qu'il rentre. En plus, Ethan, il est un peu brusque avec les animaux, donc j'avais trop peur qu'il fasse mal à un animal, donc voilà. Il les a regardés à travers la grille, ça lui a beaucoup plu. Il y avait des petits bébés cochons qui étaient genre trop mignons. Ensuite, on a trouvé les cadeaux, je vous montrerai une fois à la maison, on a trouvé des petits cadeaux, des petites bricoles pour Zia. Et c'est tout. Ah oui, j'ai pris rendez-vous pour mes sourcils demain à midi. Voilà, donc j'ai hâte de voir ce qu'ils vont réussir à faire de mes sourcils. Du coup, je vloguerai peut-être demain pour vous montrer, sinon vous verrez dans le vlog de ce week-end. Ce week-end, on n'a encore rien de prévu, puisqu'on doit déménager ma tante encore. Donc je sais pas, mais je vais emmener Ethan à Loisirland si c'est pas déjà parti. Enfin, je vous expliquerai si jamais on y va. Et ben là, on va rentrer tout doucement, il va manger. Parce que je voulais l'emmener dehors au jeu, mais il fait pas très beau, il fait gris, il pleut un petit peu. Donc bon, je vais pas le sortir dehors de ce temps-là, pauvre chouchou. Et du coup, on va rentrer à la maison. Voilà. On se retrouve à la maison. Bon, corvée d'essence. Il est midi et demi, on vient de rentrer. Je pense que vous voyez une différence au niveau de l'éclairage parce que j'ai changé les ampoules. Enfin, du moins l'ampoule de la cuisine et de notre chambre. Je les ai changées. Ethan est horrible. Ça y est, encore. En fait, dès qu'on rentre à la maison, cet enfant est un démon. Là, il m'avait lancé une machine à laver alors que le linge dedans est propre. Il me l'avait relancé pour 1h30. Donc, je me suis vraiment fâchée. Il ouvre tous les placards, il sort tout. Et pourtant, j'ai acheté ça, regardez. Je vous montre, j'ai acheté ça l'autre jour pour bloquer les placards, mais ça fonctionne pas du tout. En fait, déjà ça colle pas assez, puis lui il a la force de les casser, enfin de les ouvrir. Donc. Allez, tout plein de reste. Bon, on se retrouve quand j'ai fini de cuisiner parce que là c'est un peu la guerre. Bon, Ethan est couché, il était assez dur là ce midi, il a pas voulu manger. Je vais acheter des petits pots parce que quand il est malade comme ça, il mange pas ce que je lui fais. Donc c'est un peu embêtant. Donc je vais acheter des petits pots, je lui en donnerai un ce soir je pense. Donc là je range la maison puisque je ne l'ai pas vraiment fait hier soir. Du coup je range, j'ai du repassage à faire, du linge à étendre, enfin bon. Toutes ces petites corvées qu'on est obligé de faire puisque personne ne les fait à notre place. Du coup je fais ça. Si j'ai du temps et qu'Ethan n'est pas réveillé, j'irai sur YouTube répondre à quelques commentaires. Et sinon, je me détendrai un peu. Et après, du coup, on est invité à faire le goûter, je vous le disais, chez la nounou. Je vous montrerai avant de partir les cadeaux. De toute façon, il va falloir que je les emballe aussi. Les petits bricoles qu'on a trouvés donc, pour la copine d'Ethan. Et voilà, je pense que déjà, quand j'aurai fait tout ça, je vous retrouverai au moment de partir. Mais je ne vous filmerai pas chez la nourrice, bien évidemment, puisque c'est chez elle. On ira peut-être chez le frère de Gauthier dans la soirée, je vais voir ça, si ma belle-sœur me répond. Voilà, bon, et je fais mes corvées de ménage et puis on se retrouve quand j'ai terminé. Bon, Ethan vient de se lever. Il est quoi? Il est 14h30, donc il a dormi à peine une heure. J'ai même pas fini d'étendre le linge. J'ai le temps de faire mon repassage, ranger la cuisine, mais j'ai pas fini d'étendre. Bon, et du coup, je me suis rendu compte aussi... Donc oui, j'ai étendu le linge. Je me suis rendu compte que j'ai le poisson changé. On l'a acheté samedi. On est mercredi. Donc ça fait 4 jours. Et son eau est trouble. Enfin, elle commence à se troubler. Donc il faut que je le change et que j'arrose mes plantes aussi. Donc voilà, j'ai encore ça à faire. Mais il est tôt. Et emballer les cadeaux que je ne vous ai toujours pas montrés. Et du coup, gérer le bébé monstre. Qu'est-ce que tu fais? On va peut-être aller t'habiller, mon cœur. Allez. Bon, toujours pas habillé cet enfant. Il est 15h20. J'ai un peu rangé. Un petit peu. J'ai encore le linge à ranger. Ethan, il fait le ménage? On va aller s'habiller, changer la couche. Et à 4h, on va faire le goûter pour Zia. Faut que j'emballe les cadeaux, je l'ai toujours pas fait. Je vais le faire comme ça, je vais vous les montrer maintenant. Bon, il me reste du papier cadeau de la Reine des Neiges. Enfin non, c'est que Elsa, je sais pas. Alors, j'ai trouvé chez H&M. J'ai pris ça. Donc c'est des bagues, hein,
pour petites filles qui sont trop mignonnes et j'ai payé ça 4,99€. Et ensuite, un collier qui est juste trop mignon. J'avais pris que ça au départ, il était trop chou. Il est à 2,99€. Regardez. Il est canon. Et du coup, j'en ai pris un deuxième qui est là pour offrir pour Eliora, pour la fille de Becca, parce que j'avais prévoyé de lui envoyer un courrier. Quand je l'ai vu, j'ai pensé à elle. Ouais, bon, ça, c'est le gâteau qu'Ethan n'a pas mangé ce midi. Voilà, donc je vais emballer ça. J'ai plus du scotch, mais j'ai du messing tape, ou je ne sais plus comment on dit. Donc, c'est parti. Je vous retrouve en voiture, il est 6h moins de quart, donc on sort de chez la nourrice pour le goûter. Ça a duré beaucoup plus longtemps que ce que je pensais, mais c'était sympa. Il y avait tous les enfants et les grands que nous gardent. Et donc on a dit au revoir à Asia, voilà, on lui a offert ses petits cadeaux, elle était trop contente. C'était trop trop mignon, ils se sont fait des bisous, enfin voilà. Donc Ethan va être tout triste parce que du coup c'est lui qui devient le plus grand chez Nounou. Zia était la plus grande, elle avait 2 ans et demi, mais là elle rentre à l'école. Voilà, donc du coup là à 18h quasiment, on va chez le frère de Gauthier, donc chez ma belle-sœur, on va voir Abel et Victoire. Oui mon cœur, je comprends pas mon amour, mais on y va. On y va et il pleut dehors, ça fait un peu suer. Hop. Oui monsieur. Attention, ouais, parce qu'en voiture on donne toujours doudou Téti. Oh là là, les bisous. C'est gentil. Bisous à Abel. C'est gentil, hein. Des chaussures et plus des pieds. Et moi, ça va. Alors, on vient de rentrer. Il est 19h. Du coup, je vais faire à manger. Pour Ethan, je sais pas, ça va être une soupe ou un petit truc vite fait. Parce que chez la nounou, il a beaucoup goûté. Donc voilà. Et moi, je dois faire mon collier d'agneau, donc je vais tenter ça, on va voir si c'est bon. Je croise les doigts, franchement, si j'y arrive, ça va me motiver parce qu'en cuisine, je suis une quiche. Il n'y a que en pâtisserie où franchement, je m'en sors bien, mais sinon, la cuisine pour des plats et choses comme ça, je sais pas pourquoi ça échoue à chaque fois, alors que je suis pleine de bonne volonté. Donc voilà, on va faire ça. Petit chat est énervé comme pas possible. Mais ça, c'est normal quand on a fait une petite sieste. Je me suis fait plaisir au fait chez Lidl. Ils vendent ça en ce moment, les aspirateurs à main Silver Crest. Et ça fait super longtemps que j'en veux un, surtout depuis qu'Ethan est né. C'est super pratique pour aspirer juste la zone où il a sali. Et voilà, c'est chose faite. Il est à 21,99€. Il y a plusieurs couleurs. Donc moi, je l'ai pris noir et or. Et du coup, je vais l'inaugurer tout à l'heure après le repas d'Ethan. Mais je suis trop contente de l'avoir trouvé. Et il est garanti 3 ans. Donc je suis trop contente, j'ai trop hâte de pouvoir le tester, ça fait trop 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 longtemps que j'en veux un. Hein. C'est peut-être bête parce qu'on me dit que c'est un truc de grand-mère, mais ça va être tellement pratique même pour aspirer les quelques miettes qu'on va mettre dans le canapé ou sur la table. Je suis super contente, voilà, j'espère que ça va me changer la vie un petit peu. Bon, Ethan est couché, il est 20h, donc je l'ai couché tôt, la soirée a été compliquée, il a pas voulu manger, il a juste eu des yaourts, bon il avait bien goûté comme je vous le disais chez la nourrice. Du coup, je l'ai couché, là, il a beaucoup pleuré, beaucoup râlé. Il s'est coincé les doigts dans les placards en plus, donc bon, bah là, tant pis pour lui, hein, il a qu'à pas jouer avec les placards, je le répète tout le temps. J'espère qu'il va le faire un bon dodo, et moi, je suis crevée. Donc, je vais manger la soupe d'Ethan, puisqu'il n'a pas voulu la manger. Je vais me poser dans le canapé, ce que j'ai pas fait de la journée. Et puis, j'ai cette vidéo à monter, et après, j'aimerais bien regarder les épisodes de Walking Dead, puisque ça a repris... il y a 2 semaines et j'ai toujours pas regardé les derniers épisodes. J'ai fini de cuire mon truc, je vais vous montrer. Je crois que je l'ai raté, Gauthier va rire. Ça ressemble à ça. Sauf que la viande, je sais pas, elle a vachement rétréci et tout. Est-ce que les morceaux étaient trop petits? J'en sais rien. Gauthier va encore rire, va encore dire que c'est pas bon, que j'aurais dû l'attendre. Mais bon, si je le fais pas, lui ne le fait pas. Hein. Il cuisine pas alors que d'origine, il est de formation, il est cuisinier quand même. Sauf que voilà, il cuisine jamais, donc c'est pas très cool. Forcément, il me fait des reproches, mais lui, il sait pas. Voilà, bon, je vais vous laisser sur ça, je pense. On se fait de gros bisous. Je pense que je vais vlogger demain, du coup, pour l'épisode des sourcils. Et je vloggerai ce week-end également, voilà. On se retrouve très vite dans un prochain vlog ou une vidéo face cam. Si jamais j'ai reçu, j'attends un colis, donc voilà. On se retrouve dans des prochaines vidéos. Je vous fais des gros bisous tout le monde.